Punta Cana, il fait beau, il fait chaud comme d'hab. Et là, il est 8h20 et je pars rejoindre Alex au petit-déj. Je vais encore me régaler, vous allez voir le choix de fou qu'il y a, c'est vraiment hallucinant. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Une petite tartine en entrée, je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à un fromage de brebis avec des tomates séchées et un petit tacos après. Bon appétit. Bon appétit. Et je poursuis avec des petites pâtes à la gambasse et un petit dessert à la passion. Salut, salut! Salut! Ce matin, je suis avec Julie en partie déjeuner et après, on va faire une balade à cheval dans les montagnes. Ouais, dans la forêt et, ouais. on va voir un petit lagon dans les forêts. Ça va être trop beau, ça, je pense. Ouais, j'ai hâte de voir ça. C'est trop bien. Ouais. Et je suis trop contente, c'est Julie qui m'a offert cette balade pour mon anniversaire. Oh, d'ailleurs, j'ai les anniversaires à elle! Merci, je suis trop contente. Ouais, on va manger quand même, parce que c'est, oui, c'est primordial, 5 fruits et légumes par jour. Hein. Et voilà pour le petit déj, dinde, gouda, pain grillé, beurre, pancakes et café. Bon appétit. Merci. On a un petit peu mal aux fessiers. Ça fait mal aux fesses, hein. Je pense qu'aujourd'hui on va pas aller au sport. Non, on n'a pas assez de sport comme ça. Moi j'étais gainée sur mon cheval pendu là comme un... Les abdos serrés. Non, c'était sympa. Moi j'ai bien aimé. C'était sympa. Ouais. Ah. Ils étaient sympas les chevaux quand même. Ouais. Ah, ouais. Maintenant on a bien mérité notre petite baignade au lagon. Voilà. Les garçons ont réservé à la cave et ils ont... Ah, je ne savais pas, Alex, mon amoureux. D'habitude on mange là-bas à la cantine, mais ce soir on ne se mélange pas. Excusez-nous, c'est la classe. Petit peu. Bon, joyeux anniversaire, hein, Capucine. En cette soirée d'anniversaire, je commence avec un petit carpaccio suivi
d'une côtelette d'agneau et sa purée maison. Mon gâteau d'anniversaire. S'entraîner après un bon petit déj, mais avant on va faire un défi des garçons. On va faire une heure de fente. Enfin, nous on va pas le faire avec Julie, on va les accompagner jusqu'à la salle. Enfin, pas nous. C'est de faire 10 minutes quoi. On va faire 10 minutes jusqu'à la salle de fente et les garçons, eux, ils vont faire une heure avec un poids en plus dans les mains. Voilà, donc moi je leur souhaite bonne chance d'avance. Il est 9h30 passé, je pense que je suis la dernière à arriver au petit-déj parce que ce matin j'ai fait un peu la grasse mat. J'étais fatiguée du buggy d'hier, on s'était levé super tôt. Enfin bref, j'ai déjà mis ma tenue de combat parce que du coup, après le petit-déj, j'irai directement à la salle de sport. Voilà. J'espère que Julie n'est pas déjà partie au sport parce que j'aime bien m'entraîner avec elle. Donc voilà, écoutez, j'arrive en plus au petit-déj, donc je vous laisse, je pète la dalle.
Ben, en fait, quand je les vois faire, je suis bien contente d'avoir terminé. Merci. Allez, bon courage. Et voilà, dernier jour à Punta Cana. Et du coup, ce matin, on va essayer de faire du paddle. Un paddle un peu spécial. Un paddle où vous marchez sur l'eau avec vos pieds. Donc moi, j'ai hâte d'essayer parce que j'aime bien ça, le paddle. Voilà, je vais le faire avec Alex.